Bonsoir, mon nom c'est Rick Hart, je suis acteur du X, acteur porno au Québec, et j'aimerais ça devenir une plus grande star du X, et aussi éventuellement être un fighter professionnel. Un jour j'aimerais ça aller au UFC, même si j'ai commencé à faire des MMA à l'âge de 32 ans, j'aimerais ça me rendre au MMA à l'âge de, éventuellement, j'aimerais ça commencer à faire des, à être professionnel avant l'âge de 40 ans, c'est ça mon but. Au début, mon rêve d'enfant, c'était de devenir un bodybuilder, mais à cause de la prise astronomique d'anabolisants, je me suis dit, ah, c'était pas vraiment fait pour moi, ça me rendait trop anxieux, et finalement, il y avait, tu sais, je veux dire, c'était pas vraiment un sport clean. Quoi que je respecte beaucoup le monde qui font du culturisme, j'avais essayé d'aller dans cette lignée-là, mais finalement, j'étais pas capable de supporter les effets secondaires des anabolisants. D'intimidation au niveau psychologique dans le domaine de la pornographie. Il y a beaucoup de monde qui sont jaloux, il y a beaucoup de monde qui sont méchants, il y a beaucoup de monde qui ont arrêté d'en faire à cause qu'ils n'étaient pas capables de tolérer le harcèlement psychologique, la jalousie, le monde méchant. Alors moi, je me suis dit, plus jamais je vais me faire manquer de respect. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'aller m'entraîner où est-ce qu'il y a les meilleurs MMA. Me battre contre un gars qui s'appelle Yann Devo. Tout le monde va penser que c'est lui qui va me battre au Fight Quest. Tout le monde va penser que The Odds vont aller contre moi. Ils vont penser qu'il va me péter la gueule au premier round. Mais sincèrement, je sais qu'il est plus fort que moi. Il est plus féroce. Il a plein de tatous dans la face. Mais mon but, ça serait vraiment de toffer trois rounds avec lui. Puis peut-être espérer à faire un TKO et pas laisser la décision au juge.